Previously in World Questing. Nous avons fini toutes les quêtes du domaine de classe, donc ça c'est très très bien. Coucou Kalexgos. Ah, je me demande. Oui, c'est splendide, oui en effet, elle est splendide cette dague. La puissance de votre arme croît de façon exponentielle à mesure que vous affrontez la Légion, mais je me demande s'il ne serait pas possible qu'elle ne nous ait pas encore livré tous ses secrets. Et y a pas qu'à Legos. J'aurais bien aimé voir. De te voir en bonne santé, Legos. Ah. Je ne l'aurais pas été sans les efforts de notre camarade. Eh oui. Vous arrivez à point nommé, nos troupes de la Mesa du Voile Blanc ont aperçu le roi d'en bas à la surface. Qui plus est, il a le marteau et ne dispose que d'une escorte limitée. Grâce à vos efforts, nous pouvons les affronter. Retrouvez-nous à la Mesa du Voile Blanc et allons combattre Dargru ensemble. Ouais, c'est là. Ouh, ouais, ils sont attaqués. Ouh. D'accord. D'un coup. Oula, Naxa, rejetons de Naraxus. De Naraxas, ok. Attends, on va t'aider. Bill de verre. Ouh. Ah. Appel des... Allez-y, venez. Ouais, c'est parti. Torun, il se prend de ses coups de tête, c'est abusé. Ouh, pleine critique. Ah. Excellent, merci champion. Grâce à vos efforts, nous avons pu mettre à l'abri les enfants et les blessés. Si vous vous... Très bien, venez mes amis blessés, voyons si j'ai la force nécessaire pour vous porter en lieu sûr. Vas-y, tu peux le faire. Ouh là là, il se met... Oh oh, ok, il se met à neiger là. Je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Ouais, Dargrul. Oh. 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 Oh bordel. Vous invoquez un vol d'intercepteur. Hop. J'envoie un peu de tout. Vous voulez mon marteau? Venez le chercher. Pleutre. Oh. Oh. Cache-toi où tu veux. Nous te suivrons partout. Hey, salut à tous les amis, c'est les Rastragos et re-bienvenue sur World of Warcraft pour la suite du questing de Légion. Alors bon, nous allons continuer directement, je vais me tag, hop, en aléatoire spécifique, en héroïque bien sûr parce que ça t'aggrave je pense plus vite que si on fait en normal. Repère de Neltarion, ok. Une minute, ouais non là c'est normal, on va attendre un peu. Ce serait cool que ça tague assez vite, bien sûr. Alors, là, pour l'instant, on n'a qu'une seule quête à rendre, pour l'instant, ici. C'est le don des flèches. Il faut aller voir Emmet Nezengwari. On va y aller, on va aller lui parler. Je vais peut-être utiliser les ventes d'émeraude pour aller rejoindre son truc, même si, bon, voilà... Allez hop. Hop. Bon, c'est pas vraiment comme la plume d'Aviana, hein, mais bon. Voilà, ça permet justement de descendre comme ça en mode tranquille. Et hop. Et aïe. Ok, retraite de Nezengwari. Chasseur amateur. Ok. Écartez-vous, vous êtes dans ma ligne de mire. Ok, ça va. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici comme quête, hein? Qu'est-ce qui va nous demander d'aller tuer comme... comme bestiole? Hop, merci pour le fly, déjà. Alors, coucou Emmet. Ah, on utilise plus ce genre de choses depuis des lustres, mais vous inquiétez pas, ce petit cadeau ne sera pas gâché. Ces flèches, on va en faire du petit bois. Ah, ok, d'accord. Le pavillon de chasse a attiré un grand nombre d'amateurs qui se disent chasseurs. Avec leur bouffonnerie, ils font surtout fuir le gros gibier. Je me débrouille plutôt bien avec un fusil, mais avec les mots c'est autre chose, surtout quand il s'agit de négocier. Est-ce que vous pourriez nous rendre service et encourager ces débutants à gagner les collines? Ok. Et là... J'ai suivi Emmet dans toutes ses expéditions de Strangleron à Nagrand, puis encore...
Anagra, en couchant ses fabuleuses aventures sur le papier afin de les transformer en récits littéraires intemporels. Mais mon cœur n'aspire qu'à une seule chose, la chasse. Je ne veux rien de plus que poser ma plume et prendre mon fusil. Emmett a promis de m'apprendre à chasser une fois. Vous n'avez pas menti, Elias. Les chasseurs de démons sont en liberté. Prudence avec ses yeux, Lurgius voit tout. Ok. Mais mon cœur n'espère que... Emmett a promis de m'apprendre à chasser une fois que j'aurai terminé son prochain roman. Mais les chèvres ont mangé ma première mouture. Je n'ai aucun espoir de devenir un jour chasseur si je n'arrive pas à récupérer mon manuscrit. Ok. Oh, un truc 26 emplacements. D'accord. Assez grande pour contenir de nombreux manuscrits. D'accord. Nous ne renoncerons jamais. Seuls les meilleurs ont le droit d'intégrer le groupe de chasse d'Emmett. Ok. Pour le puits de soleil. C'est une belle journée pour chasser. Ok, bon. Il faut donc parler au... Hop. Écartez-vous. Allez chasser ailleurs. Je ne vais pas me faire prier. Hop, à ton tour. Ouais, je ne vais pas me faire prier, ok. Ah, les collines rocheuses de Horok, j'y crois pas. Après, les collines de Stranglerance, je sais pas s'il y avait eu les collines de Nagran, mais bon. Les collines rocheuses de Horok. Alors, bon, il va falloir tuer des chèvres, hein, malheureusement. Bon, après, s'il y a des gens qui, justement, sont mal à l'aise avec tout ce qui est tuer les animaux, tout ça, chasseurs, tout ça, sachez qu'il y a un PNJ qui donne une expédition, parfois, justement, juste au-dessus de la retraite de Nezengwari, c'est un mec de la SDPA. Petit clin d'œil à la SPA, et justement, vous butez des chasseurs. Justement, donc si jamais vous avez envie de faire payer je ne sais pour quelle raison aux chasseurs, et ben voilà. Hop, toi également. Je vous laisse ce coin là, j'en trouverai un meilleur. Les collines rocheuses. La bave de chèvre a attaqué l'encre. Les mots sont brouillés, à peine visibles. Ah, dommage. Hop. Je vous ferai ravaler votre morgue. D'accord, pourquoi tu t'excites comme ça, toi? Tu vas te calmer, ouais. Non mais oh. Ah, ok. Bon, voilà. Elle est partie quand même. Voilà, c'est bon. Belle journée pour chasser. On ne pourrait pas rêver mieux. L'odeur des pins sur la brise du gibier à foison. Pour ce qui est de gérer les amateurs, vous m'avez tout l'air d'être un vrai expert. Vous pourriez peut-être aider Adi alors. C'est elle qui écrit mes livres en réalité. Je lui ai promis de lui apprendre à chasser, mais j'ai pas le temps de lui enseigner les rudiments. Ah, ok. Ouh, ok, ouais, je vois. J'attends depuis hier qu'Adi termine son premier jet. Ce n'est tout de même pas compliqué de rédiger quelques mots sur le plus grand chasseur de tous les temps, si. J'étais impatient de lire ce manuscrit. Je commençais à penser que cette gnomène peut souffrir du syndrome de la page blanche. Ok, merci. Ah, cœur de chasseur. Adi manie la plume comme personne, mais je ne l'ai jamais vu un fusil sous le coude. Elle souhaite apprendre à chasser. De notre côté, qui a déjà entendu parler d'une chasseuse gnome? Vous semblez savoir comment vous y prendre avec les amateurs, alors pourquoi vous n'iriez pas faire une partie de chasse avec la gnome? Elle découvrirait les ficelles du métier aux côtés de quelqu'un de votre trempe. Mais il vaudrait mieux commencer par du petit gibier. Faudrait pas la décourager, hein? D'accord. Combien de temps la petite gnomette va-t-elle tenir à votre avis? On prend les paris? Je suis prêt à parier une belle somme qu'elle tirera sur l'Erastragos avant d'atteindre sa cible. Ok. Tracolion. Les collines pullulent de lions qui traquent leur proie de loin. Les gros félins bondissent sur tout ce qui attire l'attention. Même un humain n'est pas à l'abri. Ces redoutables prédateurs ne font qu'une bouchée de la plupart de leurs proies. Mais mes chasseurs sont tous de taille à les vaincre. Montrez-moi à votre tour de quoi vous êtes capable en abattant quelques-uns de ces rôdeurs. Ok, chasser des trackpoints. Ouais, des élans.
Au roc abrite des espèces sauvages que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Dites-moi, Rirastrakos, avez-vous déjà vu un élan? Les nobles bois qui arpentent la région ont peut-être l'air de géants inoffensifs, mais seuls les imbéciles sous-estiment leur force. Voilà un défi qui pourrait s'avérer intéressant, même pour l'aventurier d'expérience que vous êtes. Ouais. Et la chasse aux ours. On raconte qu'un seul poil d'ours rebousse-poil est assez tranchant pour tailler la barbe d'un nain. Et ce n'est pas sa fourrure qui vous tue, ce sont généralement ses crocs et ses griffes qui s'en chargent. Ces ours se sont repus de plus d'un chasseur inexpérimenté. Alors montrez-moi que vous valez mieux qu'eux et rapportez-moi plusieurs pots de rebousse-poil. Ah, ok. Bon, déjà il faut parler... Emmet vous a demandé de m'enseigner l'art de la chasse. Vous m'envoyez ravi. J'ai beaucoup à apprendre, mais je crois savoir comment tenir un fusil. Je suis prête. C'est quand vous voulez. Partons en chasse. C'est la meilleure journée de ma vie. D'accord. Alors, voyons voir. Ok, il y a tout qui se trouve par là. Biche. Terminer la formation A. Ah, d'accord. Ok, bah on y va dans ce cas. Ah, elle a une barre d'expérience au-dessus de sa tête. D'accord. Hop. Oh bordel, je sens que ça va être très très drôle. Ah, des trackers, ok, ils sont là. Vas-y, tire. Et ouais, maintenant, les gnomes peuvent être chasseurs. Ça a été... Ça a été une énorme révélation. C'est quoi ça? Piège mal réglé, terminer la formation. D'accord. Réparation. Oui, pour la plupart. Après, je suis pas un expert. J'ai tenu un fusil qu'une fois. Donc, bon, je peux pas vraiment te dire. Et toi, reviens ici tout de suite. Ah! Mais reviens ici! Mais pourquoi il y a... Eh! Oh, purée. Sérieux, le mec, il les a tous aggro, là? Ah, merci. Ok. Ah! Ils attaquent tous les... Laissez-les moi! Hop, toi là. Il sort moi! Hop et hop. Ouais, moi j'utilise pas un fusil, j'utilise. J'utilise. Oh! Ils sont là les nobles bois, d'accord. Mais attends. Les trackers, ouais, les trackers, il en faut 10. Bon, ça va. Ça change de l'énorme quantité qu'il en fallait, genre à Nagrand ou même à Strangleronce à l'époque. Il en fallait une trentaine ou un truc comme ça, c'était drôle. Il fallait buter 30 mobs. Et il y avait au moins 3 quêtes comme ça. Oh! Je crois que je commence à prendre le coup de main. D'accord. Ok, elle est en train de prendre goût à ça. Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille rendre la quête là? Ah non, terminer la formation, d'accord. Il faut encore continuer. Hop, non, on n'attaque pas cette biche, trop tard. Allez, hop. D'accord. Allez hop. Adi vous suit. Plus qu'un et ce sera good. Ah ouais, il est là. Il a spawn juste devant. Allez hop, voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est fini pour les lions. Hop, on saute dans les rapides. Allez. Hop là, voilà. Ok, c'est parti pour les nobles bois. Go! Hop, hop, là, il en faut combien là? On va voir. Oh non, me charge pas. Je me sens un peu plus à l'aise avec mon fusil. Il en faut 8, bon, ok, ça va. Ah mince, je crois que normalement il est là le PNJ justement pour l'expédition, mince. Apparemment, il n'est pas là lorsqu'il n'y a pas l'expédition proposée. Hein. Ouf.
Merci pour le coup de corne. Ah, piège mal réglé, ouais. Hop. Oh. Ah. D'accord. Il y a... C'est le nouveau NPC scan. Des... Ne vous inquiétez pas, je peux parler et tirer en même temps. D'accord. Ah, ouais, chasseurs amateurs, ils sont là-bas. Nous n'allons pas entrer là-dedans, hein? Je pense pas. Bon, attends, il y a des... Il y a un mob rare juste ici. On va aller le faire. Hop. Hop. Ok. Ah. Rial, Ah, ok, je crois qu'ils ont bugué. Ils ont bugué ou... Ça va faire boum. Peut-être qu'ils sont dans la grotte en fait. Ah non, ouais, ok, ils sont là. Je ne rate pas ma cible. Il est là. Ok, ils sont tous les trois là. Ils ont Arnie dans le mille. Rayal, Rod Lob et Dargok Ton Ruin. Ok. Hop, on va t'aider. Hop, lui, on va le défoncer rapidement. Voilà. Voilà. Et plus que lui. Ah, repère de Neltarion. Ouh, attendez, attendez. On finit ces mecs-là. Hop. J'espère qu'on va le rush, en tout cas, le repère de Neltarion. Et voilà. Oh. Ok. Je remercie. Ces chasseurs étaient prêts à tout pour avoir ma tête. N'hésitez pas à vous servir de leurs effets personnels. D'accord. Ils voulaient attaquer une tauren. Ah ben, GG. Hop. Ah mince, quelqu'un a refusé. Ouais. Bravo. Combien on en est là justement? Ouais, non, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire, mais bon, il faut que ça retag là. Allez, chope-nous un heal et ça sera good. Ah. Il y a des harpies ici. Des harpies, mais c'est pas une zone qu'il faut aller. Ok. Il en faut encore 5 de noble bois. Ah, ok, ça retag. Ok, attendez, je bute ce mob et là c'est bon, hein. Acceptez tous et j'arrive. Ok. Ouais, 2 secondes, je reviens. Hop là. C'est parti, on va dans le repère de d'Aile de Mort. Coucou. Salut, brave aventurier. Dépêchons-nous, mes amis. Ah. Arthur profite de chaque instant que nous perdons pour tuer nos alliés. D'accord, on y va. Ces pierres abritent encore les puissances que nous voulons mieux que nous. Wouhou, ok, c'est parti. Hop là. Alors, attends, tiens, prends une pierre de soin. Bon, voici la map, hein. Hop, nous on prend une pierre de soin quand même. Allez, c'est parti. Bon, là, on est dans une caverne. Ce qui est normal, bien sûr. On va voir si on va loot des bons trucs ou pas. Allez, hop. Voilà. Oh, oh. Ah, il y a des petites araignées qui se réveillent. Allez, hop, chargez. Hop. Ah, mais j'ai un verre qui est passé là. Rôdeur crash goudron. Un petit tour bilol, ça fera pas de mal. Là, hop là, hop là. Il y a 4 boss hein, dans ce raid. Dans ce donjon, pardon. 4 boss qu'il va falloir défoncer. Ah, mais GG le. L'agro du macheur. Ah, zut, lui il est encore vivant. Voilà. Est-ce qu'on va réussir à prendre les raccourcis ou pas?
Hop. Il y avait un truc à ramasser. Mastodonte vit l'éclat. Changer. Allez, essayons de faire quand même le moins de trash possible, hein, et essayons de ne pas fail, de pas tomber aussi. Parce que si là on est repoussé, je pense qu'on fait un vol plané dans le vide. Hein. De toute façon, le boss il est pas loin là. Ouh, fais attention à toi. Hop, tiens. Je crois bien que c'est le plus gros monstre de cristal que j'ai jamais vu. De quoi tu parles là? Manœuvre, manœuvre, ouais. Les démons d'ici, faut voir si on peut les éviter ou pas. Ou s'ils vont foncer dans le tas. Ouais, ils vont foncer dans le tas. Essaye au moins de tout prendre, je sais pas. Hein? Des intrus ici, brisez-les! Ah! Ah, ok, le mec il tenait. Il tenait par une corde l'autre qui justement était en train de construire un pont. Pour lier là-bas justement, et vu qu'on a brisé sa concentration en arrivant, en faisant du bruit, et il a lâché son copain, d'accord. Ok, ok. Ouais, donc ça veut dire qu'on pourra pas aller là. Hein. Eh ben voici une cité drogue bar en tout cas. Ont exploité des compétences qu'ils ne devraient pas posséder. Ah ouais? Nul doute que cela ait quelque chose à voir avec la puissance latente qui subsiste dans ces pierres. Regardez. D'accord. Ça. Ah. Quel manque de rigueur. Ouais. Jamais ces traîtres ne pourraient oser aller la masse sans rien pour nous défier. On ne peut pas laisser. D'accord, tel quel. Le marteau, la robe. Il a l'intention de détruire Europe, pas de s'en emparer. Peu ouais. Importe. Je savourerai ces instants, quoi qu'il en soit. Ah. Rockmora, écrase-les. Oula, coucou. D'accord, il y a un gros élémentaire. Hop. Hop. Et Blue Blaze. Hop là, voilà. C'est bon, j'ai fini de spammer. Ok, il y a l'héros qui a été claqué, ça c'est cool. On envoie tout ce qu'il faut. Oh. Allez hop, là il faut pas bouger lorsqu'il y a la grosse zone par terre là, parce que sinon ça fait des dégâts. Allez, feu! Hop là, hop là. Parfait. Ouh! Hop! Aïe, 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 aïe. Faut qu'il fasse attention là, le chaman. Hop! Allez, feu! Ok, là il va y avoir un Blue Blaze. Hop là! Et feu! Oh! Presque le million! Le million! Le million! Le million! Ok, voilà, premier boss tué. La lanière de boucle. Oh, GG! Là, DPO! J'espère que nos alliés pourront les garder occupés le temps qu'on termine cette mission. Vite, dans les okay. Tonneaux. Ah. Je les retiens ici. On se retrouve en bas de la rivière. Ok, non, vite le tonneau. Je prendrai mon propre chemin et je vous rejoindrai. Allez hop. On est dans les tonneaux. Le roi d'en bas utilise des esclaves pour déterrer les ossements de mon père. What? Il ne sait pas à quelle puissance il a affaire. Oula. D'accord, ils sont en train de déterrer à des os de dragon noir. Hein. Vous avez déjà pris tout ce que nous avions. Ah. Fouillez tout, sans exception. Ces paysans cachent des rations destinées à l'armée. Quand on le se bat pas, on ne mange pas. Ah, mais c'est ok, il faut passer par là. Hop. Invoquez-moi à Maurice. On va essayer de pas gros. C'est pour ça que j'ai renvoyé le familier. Hop là, ok, ça va, ça passe. Là, lui, il arrive. Il va falloir sans doute passer, ouais, on va le contourner par là. Ouh là là, il arrive, il arrive, il arrive. Ah! Bon, ben il a été aggro.
Hop. Ah, on a eu un truc de... C'est quoi ça? Fouette tempête. Ah, merci. Oh, je veux dire... Attention derrière. Ok. Le batteur, il faut pas l'aggro, sinon il va faire pop des renforts. En vrai, tu peux passer toute la salle sans rien aggro. Ouais, c'est vrai. Faut juste faire attention. Hop, on passe. Ok, bon là par contre, il n'y a pas moyen de les passer ceux-là, donc il faut les faire. Hop. Quand on était dans les tonneaux, je sais pas vous, mais moi ça me faisait un peu penser à la scène dans le premier épisode du Hobbit. Quand ils sont dans les tonneaux justement, bon même si là c'était pas une rivière en plein air, mais bon. Ah purée. Ah revenez ici vous. Oh 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 oh. Ouf. Reculez. Oh sérieux. Et c'est mon familier qui a aggro. Oh fait chier. Ah. On n'a pas le temps pour vous. Laissez-nous tranquille. Grinceur va vous laminer. Ok, il a renommé son basilic. Hop, hop. Ok, bon, ça va. Ils sont quand même vite morts. Ok, bon, là, on va arriver... Ouais, on va arriver vers le E. Tiens, je savais pas qu'il y avait un chemin qui remontait par là. Hop, on va arriver vers le deuxième boss. Et justement, le deuxième boss, il a un truc que j'aimerais bien choper. Ce serait bien qu'il me le donne. Aïe, pourquoi ça me fait mal? Ok. J'ai de pierre. Aïe. Arrête de me jeter des caillasses, toi. Putain, il en a gros sur moi, peut-être parce que j'ai plus beaucoup de PV. Hop là. Ok, alors. Hop. Ouais, voilà. Regardez, ils sont bien en train de déterrer des os de dragon. Hein. Il y a des fossiles ici, j'y crois pas. Qu'est-ce que vous faites, vos dragons noirs, là? Oula. Hop. Ah, bon, ok. Aggro. Hop, hop. Il faut essayer de tous les buter. Oh oh. Ah. Ils vont en totem. Ok, hop. Sculpteur d'éclat. Ouais, deuxième boss, il est là. C'est Ularog, justement. Donc, lui, on va le défoncer. Hop, on finit le mastodon. Hop là. Ok. Il y a encore celui-là. Vous allez voir, ce boss, il est rigolo. Il faut deviner où il se trouve. Vous allez comprendre. Allez hop, chacun nous font éclater des rochers sur la tronche, là. Ils tombent de haut quand même, les rochers. Et les cribleurs, mais ils sont pire que chiants là, à balancer des cailloux comme ça. Ah ben voilà. Et la taille, en plus ils reculent. Ils arrêtent pas de reculer quand on les attaque. Ce qui fait que on est obligé de leur courir après. Purée, lui regardez-le là. Mais tu vas te calmer là. Merci. Je sais pas pourquoi c'est tout le temps moi qu'ils attaquent. Hop là, merci. Ok, plus que lui et c'est bon. Chargez. Là, pourquoi il va se cacher dans la grotte?
Un attaque. Hop. Et hop, ok. C'est bon, on peut choper le boss maintenant. On va quand même pas aller aggro celui-là, ça serait cool. Allez, maintenant on va rire. Défiler de la crête du dragon, ok. Je regen, ok. Vas-y, regen-toi. Moi, je vais manger un coup, hop, pour... Ah, c'est good. Mince. Attendez. Regarde bien, Navarog. Ah, oula. Je tiens à ce que tu vois la mort de tes héros de tes propres yeux. Chargez. Hop. Bon, pour l'instant, boss normal. On va lui ouvrir les dents. C'est ça. Oh. Oh, aïe. Ok, bon, j'ai fail son truc, il faut sortir de, faut sortir des mains sinon on se fait écraser. Bon, je me suis éclaté contre une main, mais bon, ça m'a pas écrasé, c'est déjà ça. Ah, hop là, youp. Ah, posture de la montagne, regardez. Et là, il faut le trouver, alors. Hop, 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 hop. C'est lui, il est là-dedans, chopez-le. Faites-le sortir de là. Mais non, c'est pas lui, c'est lui. Ah. Sortez-le de son trou. Qu'est-ce que vous racontez? Il est là-dedans. Qui c'est qui aura raison? Regardez, vous voyez, il est là-dedans, et voilà. Ouais, on a gagné, on a trouvé où il était. Ok, là le combat continue, voilà, donc c'est ça. C'est quand même une mécanique très 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 drôle, ça. Allez, hop. Ah. Il a failli se faire écraser. Hop. Hop, hop. Allez-y, les familiers. Tourbillon. Ah. Oh. C'est pas le moment d'applaudir. Hop là, ok. Il va crever. Allez, donne-nous ce qu'on veut là. Ah non. Et voilà. Et ouais. Oh purée, du sang de Sargeras. Dommage. Chaperon. Ok, ouais, non. C'est pas un bon objet. Ah. Là, il y a des drones bars qui font des courses d'escargots. Brûlot, ouais. On va essayer de passer sans les agros. Hop. Ok, ça va. Dans ce donjon, on peut faire en sorte de sauter plein de packs. Ça, c'est cool. Ah. Le boss suivant, par contre, il est... Merde, ouais. Si on les laisse finir cette invocation, on ne pourra plus atteindre Nargru. Ah, d'accord, mais il faut vite y aller dans ce cas. Naraxas se repaîtra de vos ossements. Oh oh, Naraxas, d'accord, la mère des vers qu'on a buté dans la partie précédente. Non, métamorphose, hop là. Non, tu te métamorphoses pas. Ok, bon. Le boss qui va arriver, il est un peu chiant pour moi parce que... mes familiers bug un peu dessus et moi il y a des capacités que je peux pas lui lancer parce que ça dit qu'il est hors du champ de vision. Donc bon, c'est pas très très cool si vous voyez ce que je veux dire. Allez hop. Va être juste là. Juste qu'on me défonce. Oh non. Hop là, c'est bon. J'ai dit tu ne te métamorphoses pas. Ok. Oui. Ah. Oh. Attendez. Non. Oh. Ah bon ben voilà, ça lui apprendra à invoquer des grosses puissances. Il s'est fait bouffer par le verre. Ah, métamorphose. Hop, non. Ok.
Voilà, voilà, voilà. Parfait. Mince. Ah, où est-ce qu'il est passé? Reviens ici. Ok. Et là donc, c'est good. Naraxas. Bon, il y a des drogbars au-dessus qui regardent. Et ils vont venir pendant le combat. Ok, vous êtes prêts? Faut que moi je me mette au cac, malheureusement, pour justement faire en sorte que les démons soient directement invoqués sur lui. À l'attaque! Les drogbars sautent de la plateforme. Hop. Ok, ils sont là. Non, toi tu n'avances pas plus loin. Et mince. Vite, il faut vite les buter, sinon ils vont se faire dévorer par... Repassez-vous de ma chère Naraxas. Et mince. Et voilà, il a dévoré. Et elle a vomi. Dégâts augmentés de 50%. C'est pour ça qu'il faut pas non plus... Bon, regardez, lorsque je fais Mengulian, par exemple, vous avez les diablotins qui viennent autour de moi et après ils avancent petit à petit vers la cible. C'est pas super cool, ça. Ça fait que je perds un peu du temps en DPS. Heureusement que les traqués froids, eux, ils vont quasiment directement sur la cible, mais... C'est pas très très cool. Hop, on va quand même se mettre là, ce sera mieux. Et là, par exemple, si j'essaie de faire Blue Blaze, ça me dit cible hors du champ de vision, donc c'est pas super. Heureusement, on peut faire le Blue Blaze sur les drogbars. Hop, en avant. Hop, bon, ça va, ils se prennent le vomi, donc ils sont ralentis. Ah, GG. D'accord. Désolé, héros. Quoi ? Il semblerait que le trésor que vous convoitez se trouve à l'autre extrémité de cette créature. D'accord, ouais, vestige des trépassés. Oh! Waouh! Ah, dommage, il y a des stats un peu pourries. Reprendre mon marteau. Ah. Oh oh! Pathétique. Merci. Qu'ils viennent. Voyez ce qui arrive à ceux qui osent défier le digne successeur du pouvoir des titans. Ah, il y a la musique épique. Comment ça, digne successeur des titans, t'es sérieux? Ok, bon là on est carrément, je pense, dans le... Vraiment là où Neltharion venait se reposer avant qu'il devienne fou, et peut-être même là où il est devenu fou. Parce qu'il me semble que j'avais regardé justement, enfin il me semble que c'était un endroit comme ça où justement il était dans une vidéo qui parlait de la guerre des anciens, il était, il me semble, un endroit comme ça, et justement c'est ici qu'il a forgé l'âme des dragons. Et qu'il a commencé à sombrer dans la folie avec les dieux très anciens, donc ouais, ça doit être par là. Par contre, ce qu'il y avait dans la bêta, c'est que normalement ici on devait voir Irion. Il devait y avoir Irion ici, mais malheureusement là il n'y est pas, ils l'ont pas mis, on sait pas. On sait pas s'il y sera dans cette extension ou quoi, mais bon. Ah, il y a quelqu'un qui a une pièce curieuse, ok. Veuillez m'excuser. Ah, oui, je dois partir maintenant. Ok. Cependant, sachez ceci. Ouais. Vos actes m'ont rempli de fierté. Ouais. Et je suis certain que vous ne faillirez pas à Auroch pour cette dernière bataille. D'accord. Hop, je vais équiper la bague parce que... Voilà. Talasso ! Mais justement... Ah ouais, c'est vrai, il faut faire le scorpion en premier. Hop. Allez, go. Normalement, il y a besoin de faire qu'un côté de cette grande salle, mais bon, je sais, je pense qu'ils voudront peut-être faire les deux parce que le boss, il est quand même drôle lui aussi. Ouais, ils veulent faire les deux côtés. Ouais, par contre, vu que ça donne pas de... ça me fait juste monter le high level, mais bon, vu que ça donne pas d'intelligence, c'est peut-être pas
Vu que c'est pas mes stats opti, les stats que je need, je sais pas, on verra. Au pire, je l'équipe tout ça machin pour que ça me fasse des bonus et c'est tout. Et le jour où je chopperai mieux, voilà. Allez, on défonce cela et après on attaque le dernier boss. Mais j'ai quand même, hop, prendre les 70 de puissance, merci. Et maintenant, au tour de Dargrul. Tu vas rendre ce marteau tout de suite. Hop. Ok, 50 secondes. Ah lol. Est-ce qu'on peut commencer à lire? Ah, c'est good, tu peux go. Ok. Ben go dans ce cas. C'est bon? Hop. Et changer! J'aurai réduit ce monde en pièces avant que vous ne puissiez reprendre le marteau! D'accord. Quand je le lui ordonne. Ok, donc là il faut vite buter cette bestiole. Blue Blaze! Feu! Les montagnes rangeront vos os! Ok. Hop là, c'est bon, on switch sur Dargrul. Allez! On va se le faire, wouhou! Choc de flamme. Ah, où est-ce qu'il est passé le temps que je l'ai vu voler? Les montagnes rangeront vos os. Et hop là. Ok. Ils vont servir là, ces petits murs de cristaux, vous allez voir. Là, ça va, il le fait pas encore, mais... La puissance de Kasgoroth afflue en moi. Hop là, là, il faut se cacher. Parce que sinon, on est quasiment one-shot. Ok, voilà. Parfait, parfait. Ouf. Battez-vous, pitoyable diablotin. Ok, bon là, il faut buter... vite ce mob. Ah, ok, il en a après moi. Je vais te calmer déjà. Merci. Hop là. Ah, maintenant c'est le prêtre qui le cible. Cours, cours. Cours, t'inquiète pas. J'essaie de le choper. Ok, voilà. Il va mourir. Allez. Tu vas te donner tout de suite le marteau. Et voilà. Comment est-ce possible? J'ai choisi le marteau. Non. Ne vous a jamais choisi, Dargrul. Il cherche un maître digne de lui. Et vous n'étiez pas à la hauteur. Tout le monde a loot. Voilà, héros. Dargrul est mort et nous avons récupéré le marteau. Ouais. Les drogbars sont divisés. Et il va nous falloir réunifier nos tribus. Ce sera un travail de longue haleine, mais Auroch a retrouvé son équilibre. Ah, Dargrul, le roi fou, a été privé de sa puissance. Et ouais. Auroch vous en remercie, héros. De rien. Je dois à présent me consacrer à des problèmes personnels. Au revoir. Ah. J'espère que la prochaine fois que nous nous verrons, les circonstances seront plus heureuses. Ok. Alors, marteau de Kasgoroth. Cette relique des titans vibre tant, elle contient d'énergie. Ok, hop. La guerre se poursuit. C'était un combat âpre mais nécessaire, les Astragos. Au nom des crins de rive, des cantes célestes et des sombres pierres, je vous remercie. Mais dès qu'une bataille s'achève, une autre se profile à l'horizon. Sachez que lorsque vous affronterez la Légion Ardente, les tribus de Auroch se tiendront à vos côtés. Hop, merci. À présent que vous avez vaincu Dargrul, le roi d'en bas, et que le marteau de Kasgoroth est en votre possession, il va être temps de le déposer dans la galerie d'Aegwin dans les salles inférieures de Dalaran. Ok. Ouais, du 800, mais bon. Voilà quoi. Ok, on a le marteau. Hop, et toi, je prends ton âme. Merci. Hop, elle servira, t'inquiète pas. Hop,
125 et hop, merci. Et voilà. Ok, on en est où là? Ouais, on a encore le temps, ça va. On va au moins finir ce quête. Ouais, c'est bon, on y en arrive. Allez. Hop, je remets l'agro du familier, bien sûr. Non, purée. Pourquoi c'est à moi qu'il fait ça? Je peux pas le faire à mon familier, là? Le coup de corne. Hop, merci. Enfin, le coup de bois, pardon. Pas le coup de corne. C'est des bois, c'est pas des cornes. Ok, elle va monter niveau suivant. Hop. Et voilà. Oh. Ah, terminer la formation et la formation d'expert. D'accord. Alors, combien il manque de... Il en manque deux, ok. Hop. Voilà. J'espère que leur... Purée. J'espère que lorsqu'on aura fini ces quêtes-là, elle aura fini de monter le niveau également. Hop. Ah. Le dernier noble bois. Vas-y, essaie de me charger, tu vas voir. Non, tu me charges pas, merci. Charge ton si tu veux, mais pas moi. Mais pourquoi moi? Aïe! Rien de tel que le frisson de chasser une proie qui fait 10 fois sa taille. Ok. Bon, là, maintenant, il me faut monter pour aller voir les ours. Ah, de la vulpile ici, en tout cas. Hop. Enfin, ouais, mais les ours sont juste au-dessus, quoi. Il va me falloir passer par la grotte. Hop, on y va. On va passer par la grotte. Bon, tiens. Hop. Fais ce piège. Hop là. Nous n'allons pas entrer là-dedans, hein? Ben si, il faut qu'on y aille. Pour aller rejoindre les... Ouais, c'est vrai, il y a une quête ici. Il faudrait que je fasse. Lorsqu'on aura fini les quêtes de Nezengwari. Et après, je pense que je ne saurai pas où il y aura d'autres quêtes. Et donc, il faudra qu'on parte en exploration pour voir justement où c'est qu'il y en a d'autres. Bah, Griffizurt. Ah, ouais, ici. Ok, on arrive, on arrive. On arrive. C'est bon, on peut utiliser monture? Ouais. Allez, go. Et reviens la lagnomètre, voilà. Mettons-nous en chasse. Mais viens, on va aller attaquer un mob rare ensemble. Alors, Griffizurt. Ah, il y a une veine de tellurium. Go! Hop, bon. On va également claquer ça. Hop, parce qu'il a... Il a pas mal de PV, le petit. Rugissement de la mer de la tanière, ah mince. Ah! Je crois qu'elle avait une présence... Elle avait un buff qui faisait mal autour d'elle, on aurait dit. Le familier, il a pris assez cher. Ok, voilà. Oh, peau de rebond. Merci. Ok, on a une première peau. Mettons-nous en chasse. Mais tiens, regarde, il y a des ours ici. Allez, c'est parti. Hop et hop. Je pourrais faire ça les yeux fermés. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le faire. D'accord. Fais ce que tu veux après. Et c'est juste de pas me tirer dessus dans ce cas. Hein. J'essaie de pas me mettre devant elle. Hop, non. Allez, venez les ours. Hop. Regardez les diablotins, ils tirent des rafales de d'éclairs de feu. Hop.
Normalement, ce sera peut-être le dernier. Fais voir à combien il est. Ouais. Faut encore buter quelques mobs, hein, je pense. Hop là. Et si on prenait une photo de profil? Si tu veux. On peut le faire si tu veux. Hop. Hop. Voilà. Ouais, après je peux pas dézoomer. Attends, attends. Hop, reste là. Ah, Toad, c'est pas ta place. Ah, non, reviens, reviens, reviens. Hop. Mais hé, bon, tant pis pour toi, hein. Je croyais que tu voulais faire une photo. Ouais, non, j'ai pas fini les ours. Viens ici. Voilà, par contre, son corps... Ouais, non, je pensais que son corps allait être entraîné dans l'eau, mais ça va. Hop. Ok. Et voilà, dernière peau. Et toi, tu as combien? Ouais. Il en faudra encore quelques-uns. Hop, on va essayer de se mettre par là. Oh, détour de la rivière. On va buter des ours. Dans les quelques ours qu'il y a là. Après, on va redescendre. Allez, hop. Ah, combien tu en es? Ouais, ils viennent de remplir l'avant-dernière barre. Ah ben voilà. Ah ben non, il n'y a même pas besoin de passer par la grotte. Hein. Je savais pas qu'il y avait un chemin par là tout facile. Ben, on va buter des trackers dans ce cas. Allez, hop. Elle apprend de nouvelles techniques et tout, j'y crois pas. Allez, tu vas y arriver. Tu vas être super forte après. Ah, en tout cas, ça lui a donné beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, je pense qu'encore un et ce sera good. On pourra aller rendre les quêtes après. Peut-être un piège. Oh. Oh, t'es qui toi? Un rachard. Ouais. Je sais pas si justement il faut amener une bestiole dans le piège, mais bon, on va pas le faire. On va pas tenter l'expérience. Allez, monte de niveau. Hop. Ah. D'accord, bon, on va voir ça et on va lui dire maintenant. On y va, et mince. Ah, on est poursuivi. Allez hop, voilà, on la ramène. Ah, le alors. Frisson de la chasse. Vous êtes pas troué de partout, je suis surpris. Adi vise mieux que je le pensais. Bonne chasse. Ok. C'est bon, ça t'a plu? Pas la moindre égratignure à ce que je vois, je parie que ces lions n'ont rien vu venir. Faites attention à vous. Ah, ok, nouvelle quête à côté. Vous avez chassé les nobles bois de Horoc et avez survécu. Ce n'est pas le genre d'exploit que tout le monde peut se targuer d'avoir accompli. Vous avez réussi à m'impressionner. Ah, ok, notre quête là. Apportez-moi quelques pots de rebousse-poil. Cela devrait suffire à me convaincre de vos qualités de chasseur. Une peau épaisse constituée de poils drus extrêmement pointus, ok. Ces poils sont encore plus coupants que je ne me l'imaginais. Bien joué les Astragos. Ah, ok, bon maintenant... Ouais, maintenant c'est des gros mobs qu'il faut tuer, hein. On en est où, là? Allez, au pire, on peut vite aller faire ça. Vous avez démontré qu'une dame pouvait tirer au fusil, pas un mince exploit d'ailleurs, mais ce qui pousserait vraiment Adi à se surpasser serait la traque d'une bête insaisissable. On dit qu'un roc vorace maudit par les harpies hante le bassin, mais personne n'a réussi à s'en approcher. Prenez cette fusée éclairante et tirez-la en l'air quand vous apercevrez la bête. Dès qu'on verra le signal, le groupe de chasse se précipitera à votre aide et on terrassera ce magnifique oiseau. Ok, hop, merci. Ah, ben voilà, Rachar, ok, c'est donc ça. Je ne suis pas un lion. J'ai chassé de nombreuses bêtes exotiques au cours de ma carrière, mais je n'ai jamais vu un lion comme celui que j'ai croisé en explorant le bassin. Celui-là, je me suis perdu dans ses prunelles d'ambre, et je n'ai pas pu m'empêcher de continuer à m'approcher fasciné. J'étais complètement subjugué par le pouvoir de son regard enchanteur.
Je ne suis revenu à moi que lorsque le lion a bondi. Quand j'ai parlé à Emmett de cette bête magique, il a explosé de rire. Pourtant, je dis la vérité, les Rastragos, le lion existe. Si vous trouvez cette bête, rapportez-moi un trophée prouvant que vous l'avez tué et je vous récompenserai très généreusement. Ah, joueur suggérait 3. Mais non, on va y arriver. Ah, une nouvelle recette de cuisine. Ah, ça, c'est cool. Nous en manquera plus qu'une. Nos ennemis seront abattus. Moracheux. Au pavillon de chasse, des rumeurs font état d'un élan fou qui terrorise le bassin. Je n'ai pas eu la chance de le voir de mes propres yeux, mais il paraît que ces bois étincellent de magie. Là où d'autres chasseurs de moindre calibre ont échoué, je compte sur vous pour réussir à me rapporter un trophée à nul autre pareil. Ok, un médaillon. L'heure de la vengeance approche. Ok, bon, où est-ce qu'ils se trouvent tous, là? Ouais, lui, là. Là, ok. Ok, ok. Ah, il y a des chasseurs qui ont échoué. Ok, bon, on va d'abord aller faire... Pourquoi j'ai l'agro, moi? Ah, de la vilipule juste ici. Hop là. Si. Par contre, ce serait cool là que j'ai plus l'agro là. Pourquoi j'ai l'agro de quelque chose? Ah, merci. Ah, ok, elle est revenue, a dit. Chasseuse experte, ok. On y va, on va tabasser la bestiole. Allez! Ah oui, quand même, ouais, 15 millions, ouais, ça par contre, j'avais pas prévu le coup. Ok, je comprends, ouais, pourquoi. Justement, il faut y aller à plusieurs. Mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Ça va juste prendre un peu de temps. Mais bon, ça va, on y inflige de beaux dégâts, même s'il y a un mec qui nous aide là quand même. Hop, il faut juste... bien faire le cycle, invoquer plein de démons et ça devrait aller assez vite. Hop. Je reprends un flacon, merci. Et voilà, ok, parfait. Là, œil droit de Rachard. De l'œil d'Ambre émane une lueur douce et chaleureuse qui invite à l'examiner de plus près. Ok. Alors. Maintenant, il faut aller à côté. Faut aller à côté, hop, oh. Bon, si pour le gros oiseau, on a de l'aide, ça devrait aller. Et pour le... pour l'élan fou, par contre, ouais, on aura aussi que... de la vulpile. Donnez-la-moi. Hop. Ok, voilà. Je sais pas encore comment on aura le truc pour avoir le round 2, mais bon, c'est pas grave. Ok, ça a l'air d'être... Ah, ok, il est là. Je l'ai trouvé. Ah, hors de portée. Il faut que je monte. Ouais, il y a un petit passage pour monter, ok. Ah, purée. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Lâche-moi la grappe. Il est là. Hein? Ah. C'est dangereux d'y aller tout seul. Ah! Allez-y! Ouh! Ah, ça par contre, c'est pas cool du tout. Non, 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 je veux pas tomber, merci. Bon, lui, il a 6 millions, donc ça va. Hop. Purée, lui, pourquoi il est venu m'attaquer, celui-là? Ah, en tout cas, il est repassé à... Ouais, il est plus gris maintenant. Ouais, le groupe de chasse est là, par contre j'ai pas l'impression que l'ANI fasse grand chose, même si je vois des flèches. Ah si, voilà. Ok. C'était une battue grisante. Ça fera un chapitre intéressant dans mon prochain roman. Une partie de chasse remarquable. Nous devrions rentrer au camp tant qu'elle est encore fraîche dans mon esprit. Ouais, deux secondes. On a encore un renne, enfin un élan fou à buter. Hop, 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 on va vendre parce que sinon je vais plus avoir de place et ça, c'est pas cool. Hop, on va mettre ça comme ça. Hop, non, pas les dents. Hop. Ok. On verra pour le 26 emplacement. Ouais, c'est lié, c'est dommage. Hop, bon, il y a encore des lions ici.
Ah, ouais, il est là. Moracheux. Ah, ouais. Ouh. Harpy. Messieurs appartiennent aux folles furies. Ah, là, c'est bien. Là, il a fait ça sur mon familier. Ce que j'apprécie. Ok, on va balancer le Blue Blaze sur Moracheux. Hop. Allez, allez. Sombre chance. Ouh. Aïe. C'est pas besoin de me charger comme ça, merci. Ouais, c'est elles qui ont rendu le renne fou, hein. C'est pour ça. Hop, bon, je vais invoquer. Ah, arrête de me charger comme ça, toi. Tiens, tu vas te calmer tout de suite. Ça va. C'est pas très difficile, il fait pas beaucoup mal à mon charge ancestrale. Ouf, ça va. il était blanc sur le truc, maintenant il est noir. Hop. Et hop. Le rituel des harpies, ouais. Choc infecté. Ouf. Oh purée, je pensais l'avoir passé. Vas-y, essaie de refaire ça et tu vas voir. Hop. Allez, plus que 6 millions. On va y arriver. Ah, vas-y, vas-y. Non, non, non. Oh purée. Ah si, c'est bon. Ça m'a pas eu. Ah. Hop. Encore un familier. Allez, un deuxième gang regarde. Allez, vas-y. Faites encore plus mal. Oh là là. Et hop là. Ça c'est bon, c'est bon. Et Blue Blaze. Pouf. Ok, c'est bon, il est fini. Hop. Parfait. Oh. Oh. Oh, qu'est-ce qui se passe? Esprit de Moracheux, d'accord. Un renne. Enfin, un élan volant. Au revoir. Bois de Moracheux, maudit par la magie des harpies. Ces bois sont distordus, ok. Ah. Ouais, non, ça c'est. Attends. C'est la. C'est l'enfant bleu qui se couche ou c'est le soleil qui se couche? Parce que, ouais, il y avait. Ouh là là. Hop. Ah, de la vulpile, non! Je veux cette vulpile! Et mince. Hop, hop. Ah, oh, fait chier. Bon, ça va, lui, il est parti, mais. Vous, j'ai pas besoin de vous. Pourquoi vous avez aggro? Hop, hop, et hop. Parfait. Voilà, merci. Allez, on va rendre ça. Ouais, je sais pas si c'est le soleil qui se couche ou si c'est l'enfant bleu qui se couche, mais bon, ça a plutôt quand même la gueule d'un soleil, donc ça doit être le crépuscule qui arrive. Ok. On va rendre ça. Non, je vois rien d'autre dans le ciel. Hop, on passe sur le petit pont de fortune. Et voilà. C'est bon, ça vous suffit là? Ou il y a d'autres quêtes encore? Allez. Rien ne remplace l'odeur d'une forêt. Ça, c'est du gibier que j'oublierai pas de sitôt. Adi couchera sur le papier de le récit de nos aventures, mais ils seront pas nombreux à vouloir croire qu'une chasseuse gnome a abattu une bête 10 fois plus grande qu'elle. D'accord, 25, ouais, hop. Visez juste. Ah, encore, sérieux? Mais ça suffit. J'ai hâte de pouvoir accrocher les bois d'un esprit ancien au mur du pavillon de chasse. Ces bois seront du plus bel effet sur les murs du pavillon, ok. Nous obtiendrons justice. Puis-je vous aider? C'est moi qui rirai le dernier quand Emmet verra la preuve que le lion magique existe bel et bien. Ah ah, j'avais raison, le lion aux yeux d'ambre existe bel et bien. Tenez, voici votre or, comme promis. La dépense est parfaitement justifiée. Prouver qu'on a raison n'a pas de prix. Je vais garder cet œil, mais ce serait vraiment dommage de gaspiller le reste. Alors mangeons!
Ok, ouais, ça sert à ça bien. Hop. Parfait. On va prendre la recette. Hop. Plus qu'une, hein. On sait qu'il faudra aller choper la dernière. Oh là là. J'y crois pas que... Ah, on va lui parler pour voir ce qu'elle dit. Ah, Emmett lui-même ne m'aurait pas mieux formé, d'accord. Combien on en est là? Ok, ouais, je vais vite TP Dalaran et on va aller rendre le marteau de Kazgoroth. Ok. On va s'occuper de ça. Et après, voilà, ce sera la fin de la vidéo. Alors. Il nous manquera donc 3... non. Il nous en manquera 2 apparemment. Il manque... ouais, s'il y a un pilier de la création, mais je crois de toute façon qu'il avait dit qu'il y en avait 5. S'il y en a un par région, justement, il en manque un à Thorneim et un à... Enfin... après, je sais pas si c'est à Thorneim ou à Suramar, celui-là. Mais là, par contre, il n'y a pas encore l'hologramme du cinquième. Et je sais pas pourquoi il y en aura un sixième également. Aucune idée. Ah. Coucou. Ok, le marteau de Kazgoroth. L'archivage Khadgar a prévu un endroit où déposer le marteau de Kazgoroth ainsi que les autres piliers de la création. Ouais, hop là. Vous avez débarqué sur nos côtes. Ouais. J'ai demandé aux esprits si nous pouvions vous faire confiance. Ouais. En réunissant nos tribus, vous avez prouvé votre loyauté envers notre peuple. Ok. D'accord, ben merci à toi. Ok, le marteau est comme ça. Hein. Le marteau de Kazgaroth a toujours été un symbole d'unité, le fier rappel de notre histoire. Ouais. Mais entre vos mains, il servira une cause encore plus noble. Ok, c'est moi ou tu as dit Kazgaroth au lieu que c'est Kazgoroth. Au nom des tribus de Hauroch, je vous confie le marteau à vous et vos alliés. Ok. Puisse-t-il frapper nos ennemis en plein cœur? Ouais. Pour l'Alliance. Les esprits me murmurent que nos destins sont liés. Mon peuple se tient prêt à vous aider dans la guerre contre la Légion. Ah, ça c'est cool ça, merci. On aura besoin de toute l'aide possible de toute façon. Bien, bien, bien. Donc voilà. Un troisième. Par contre, après, je sais pas comment on les active ou comment ils vont réagir ensemble, mais bon. Ok, ok. Hop, ben non. Vous savez quoi? On va se quitter justement dans la salle des... Dans la salle des piliers. Hop là. Ben donc voilà les amis, j'espère que cette partie vous aura plu. Bon. On a un peu avancé, on a là ça y est, on a carrément fini la quête principale de Hauroch. Donc bon, si jamais on veut, on peut partir pour Thorneim, mais là vraiment faire la quête principale pour choper le prochain pilier de la création. Il faudra voir. Mais bon, de toute façon, ça nous mènera ensuite à Suramar, et là il faudra vraiment que je fasse les quêtes. Histoire de débloquer plein de trucs que là j'ai pas encore accès malheureusement. Donc bon voilà les amis. On a également fait un nouveau donjon. Bon après pour Hauroch il y a que le repère de Neltharion. Il n'y a pas d'autres donjons. Donc bon voilà ça c'est fait. Je pense de toute façon que le prochain donjon qu'on fera il se situera à Thorneim. Justement pour récupérer le dernier pilier de la création. Parce que ça s'est passé comme ça pour tous. Enfin, ouais, non, sauf pour le... Sauf pour l'alarme des lunes, où là, on a dû tuer Izera. Donc, bon, voilà. Ok, bon. Merci, les amis, d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook et à mon compte Twitter, si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir l'actualité, tous les posts que je mets, et pour plus de contenu. Je vous dis donc à la prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao !